L'Opel Astra a progressé, il y a des revêtements moussés en partie haute. Et revers de la médaille, au bas de la console centrale, c'est grainé, c'est plutôt dur, c'est des plastiques qui contrastent vraiment. Donc on voit qu'on a mis l'accent dans le champ de vision du conducteur, sur les éléments qu'il verra la plupart du temps pendant l'utilisation du véhicule. Mais en revanche, tout ce qui est périphérique, tout ce qui est annexe, ça dénote un peu. L'interface multimédia est disposée ici avec un écran qui est à la fois tactile et puis aussi un satellite de commande. C'est bizarre en termes d'ergonomie parce que généralement les satellites sont plutôt positionnés ici pour qu'on n'ait pas à quitter les épaules des sièges, alors que là, que l'on fasse un mouvement tactile ou qu'on utilise le satellite, finalement c'est dans la même zone de préhension, donc c'est un peu bizarre comme positionnement, mais bon. À l'arrière de la nouvelle Opel Astra, bien que le véhicule soit plus court de 5 cm et plus bas de 2,6 cm, on a une bonne impression d'espace parce que les sièges sont creusés au niveau des assises et au niveau des dossiers. La place centrale est plutôt accueillante parce qu'ici il y a un bourrelet qui est bien intégré. Et puis finalement, sur les côtés, le vitrage est plutôt étiré. On n'a pas une impression d'enfermement et c'est plutôt un véhicule familial et qui permettra de voyager occasionnellement à 5 personnes à bord. Au niveau du volume de coffre, l'Opel Astra engloutit de 370 litres ici en 5 places jusqu'à 1210 litres banquette rabattue. Le coffre est carré, logeable. On pourra quand même noter et regretter une marche assez imposante. C'est quand même assez creusé. La palette des motorisations de la nouvelle Opel Astra s'articule autour de 3 blocs essence. En entrée de gamme, un moteur à 3 cylindres 1 litre turbo de 105 chevaux. Au-dessus, le 4 cylindres 1 litre 4 turbo proposé en 125 chevaux et en 150 chevaux. Et en diesel, c'est le 1 litre 6 CDTI proposé en 95, 110 et 136 chevaux. Opel vient d'ouvrir les commandes de la nouvelle Astra. Les tarifs débutent à 20 300 euros en essence et 22 200 euros en diesel. Le véhicule sera disponible à partir du mois d'octobre en concession. La nouvelle Astra est bien armée, mais la concurrence sera rude. À bientôt sur l'Argus.fr.